Coucou les filles, donc comme vous avez vu dans le titre, je vous fais ma vidéo sur ma collection d'échantillons. Donc là vous voyez Albertos, mon ami, qui me soutient dans les moments les plus difficiles de la vie. Non, je rigole. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas, avant que je vous montre, c'est un petit peu le bordel puisque j'ai un peu tout étalé dans mon lit. Donc voilà, ne prenez pas peur. Donc en fait j'ai tout mis dans un petit rangement en fait à tiroir, donc avec trois tiroirs. Et donc le premier, c'est vraiment tout ce qui est en petites bouteilles, en petits flacons, les petits savons, enfin voilà. Et mes préférés ce sont ceux de chez Disneyland, donc là c'est shampoing et douche comme ceci. Et sinon il y a encore shampoing et douche mais avec les oreilles de Mickey, c'est trop mignon. Pareil pour le savon. Il est trop beau. Donc voilà. Et vous avez un peu de tout. Mustela, Vichy. Un peu de tout. Bon là il y a un baume à lèvres mais il ne faut pas faire attention. Voilà. Des petits, voilà, comme ceci. Et en fait je vous ai sorti mes préférés. Donc vous en avez de chez Dior. Et en fait il faut savoir que je ne m'en sers pas. Donc voilà. Tout est neuf. Et donc voilà. Pour moi c'est vraiment des petits bijoux. Donc de chez La Roche-Posay aussi. Et Dior, donc voilà, donc ils vont dans ce tiroir, voilà, comme ça. Le premier tiroir, je vous ai un peu montré. Le deuxième est presque vide puisque j'ai tout mis sur mon lit. C'est le plus important en fait pour moi, c'est mon préféré. Alors, le troisième c'est les parfums, mais je vous montre en dernier. Donc en deuxième c'est tout ce qui est les soins en fait, et tout ce qui est sur mon lit c'est le deuxième tiroir. Donc il y en a vraiment pas mal. Donc je commence par Sephora, donc j'ai vraiment, en fait j'ai aucun double, mais vous, des fois vous, là par exemple, je vais vous montrer ces deux là, on les voit comme ça, on se dit bah c'est les mêmes, mais si vous regardez de plus près, vous avez une base, il veut pas me faire le zoom bien sûr, donc vous avez une base lissante, bref il veut pas, et un sublimateur de teint, donc ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand on fait une collection. Donc voilà les petits produits de chez Sephora que je garde précieusement. Ensuite, vous avez les produits les plus coûteux en fait. Donc chez Nuxe, Estée Lauder, fond de teint, Dior, fond de teint aussi. Make Up For Ever, donc un démaquillant. Yves Saint Laurent, un fond de teint. Pareil, là, vous avez les deux mêmes. Enfin, pour vous, c'est les mêmes de chez Guerlain. Mais en fait, ce n'est pas le même format, donc je garde les deux, voilà. La fond de teint de chez Yves Saint Laurent, donc le teint encre de peau. Qui, celui-là, en fait, il faudrait que je le teste, mais j'ai vraiment pas envie de le gâcher. Et de chez Dior, donc le nude... Comment ça s'appelle? Le nude air, donc voilà. Ensuite, vous avez des petits rouges à lèvres de chez Chanel. Enfin, bon, plein de trucs, voilà. Des ombres de chez Make Up For Ever Aqua Cream, donc... les petits bijoux. Ensuite ici c'est tout ce qui est un peu, j'ai trié hein. Voilà, vous avez vu mon pied au passage. Ici c'est un peu tout ce qui est pour les cheveux en fait, les soins, tout ça. Donc de chez Dove, L'Oréal, Dope, vous avez du Garnier, du Fructis Garnier quoi, voilà, L'Oréal, Elseve aussi, j'ai rien oublié, pas de singe, voilà, et Eden Shoulders, voilà. Donc voilà pour ça. Ah, il y en a un qui s'est sauvé, voilà. Ensuite ici c'est un peu les, donc Peggy Sage et avant, donc voilà, des choses qui me plaisent pas donc ça, mais que je collectionne, donc voilà. Ici vous avez tout ce qui concerne Agnès B, donc ça n'existe plus Agnès B, c'est bien dommage d'ailleurs parce que j'aimais vraiment leur maquillage. Donc là vous avez tout ce qui était monobule. Je sais pas si vous vous rappelez, mais franchement celle-là est trop belle. Tout ce qui est monobule, j'en ai plein. Ensuite c'est les petits rouges à lèvres comme ceci. Celui-là est très beau aussi. Donc voilà. Et après il y a des petits fonds de teint, des petites bases lissantes. Enfin voilà, un petit peu de tout et de rien. Ensuite ici vous avez tout ce qui concerne Yves Rocher, donc tous les soins et un peu de maquillage, mais vraiment énormément de soins.
Moi, les soins de chez Rocher, ils me plaisent pas du tout. Ils me donnent vraiment pas envie de les tester. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est un peu ce qu'on trouve en pharmacie en fait, du Clarins, Clinique et Cosmos, un peu l'IRAC aussi, Bioderma. Voilà, des soins, un peu de maquillage. Voilà, pour ça. Ça, je vous ai montré. Vous allez voir mes gens. Et dernier truc dans les soins, en fait, ici, c'est un peu toutes les marques mélangées. Il y en a énormément, énormément, énormément. Franchement, il y en a vraiment beaucoup. Faudrait que je les compte un jour. Mais... Donc, vous avez de tout, du Cadom, du Velleda, du Mylène, je ne sais pas, du Cosmos. Tiens, il est là-bas. Ça arrive d'oublier des choses, du Cadom, enfin plein de choses. Il y a même du. Des Abody Shop. Enfin, il y a de tout. Donc, voilà. Je vais pousser ça et là je vais vous montrer le troisième tiroir qui comporte en fait le troisième tiroir c'est les parfums. Donc voilà. Et vous avez aussi bien les parfums comme ceci, donc en petite lingette en fait, que c'est vraiment pas top à utiliser. Donc tout ce qui est en petite lingette, vous avez de tout en fait. Et vous avez tout ce qui est petit. Comment dire, petit flacon quoi. Donc voilà, comme ceci. Tous ceux que j'ai avec emballage. J'ai même pris homme aussi. Il y a vraiment pas mal de choses. Givenchy, donc là pareil, le Dahlia Noir. Dahlia Noir. Donc là, vous dites, oh, c'est les mêmes. Mais non, eau de toilette, eau de parfum. Et celui-ci, ce n'est pas le même packaging. Donc voilà, je suis un peu parano, mais ici comme ça. Et donc voilà. Et ensuite j'ai une autre petite boîte. Donc, je vous montre. Petite boîte Dior. Et à l'intérieur, en fait, je mets tous les petits parfums comme ceci, mais qui n'ont plus leur petite boîte. J'ai aussi une mini fard à paupières de chez Sephora. Pareil, un petit fond de teint de chez Nocibé. Et le Génifique de chez Lancôme que j'ai en, je crois. Oui, donc ça. Je l'ai en comme ça et en petite bouteille. Donc voilà, là vous avez un pins quoi que j'ai eu avec un parfum. Et voilà. Donc ben voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!